voudrais commencer par remercier Pierre-Henri Savoie et Francis Bellamari pour l'organisation de cette manifestation qui est bienvenue, et puis pour le choix de cet endroit absolument magnifique. Banque et chez les assureurs, vous avez des fonctions métiers avec des talents. Encore une fois, je reviens sur le talent. Donc, révolution, oui. Facilitation pour les utilisateurs, oui, de façon évidente. Pour les marchands, multiplication des volumes de transactions, oui. Mais certainement pas plus de simplification derrière pour la mise en œuvre. Est-ce que l'humain lui-même, quand il va être impacté par la transformation digitale, parce que c'est lui demain qui va être ça, est-ce qu'il va prendre conscience qu'on lui donne les moyens pour se transformer? Pour lesquels ce sera assez naturel de passer aux API parce qu'ils ont déjà des flux avec des partenaires, avec des clients. Bon événement, ça permet de faire un état des lieux des tendances du marché, les discussions, les réflexions en cours, et ça apporte un espèce d'état de l'art des choses en cours sur ces sujets, très important. Dans les années à venir reste la digitalisation. Donc c'est ce qui nous a amené à venir aujourd'hui à ce salon. C'est de ne pas perdre de vue que cette transformation doit intégrer le facteur humain. Et ça revenait très souvent dans les interventions. Et donc je suis heureux de constater que je ne serai pas le seul à y faire référence. Cet événement était grandement novateur puisque c'est l'une des toutes premières fois où on réunit l'ensemble des sujets digitaux sur un même espace avec des intervenants aussi divers et variés que des intervenants qui viennent du monde de la finance, du monde bancaire, mais qui peuvent être aussi des intervenants qui viennent d'autres mondes, notamment du secteur public ou d'autres univers.